Les services de renseignement, quelle transformation après le 11 septembre 2001, nouvel ouvrage de Mohamed Ben Hammou, président du Centre marocain des études stratégiques, a été présenté mardi au siège de l'agence marocaine de presse MAP à Rabat, en présence d'un parterre d'intellectuels, de politologues et d'universitaires. Paru aux éditions d'Harmattan, l'ouvrage propose une grille de lecture des transformations qu'ont connues les services de renseignement aux États-Unis et en France, après la guerre froide, puis après le 11 septembre, en expliquant au fond comment ces services se sont adaptés en inventant de nouveaux comportements dans l'incertitude et l'aléa. Cette rencontre, c'est pour présenter mon ouvrage sur les services de renseignement. C'est un ouvrage qui traite de l'évolution des services de renseignement après les attentats du 11 septembre et comment donc ils se sont transformés. C'est une étude qui s'est attelée sur l'évolution du renseignement après la fin de la guerre froide et surtout donc après les attentats du 11 septembre. On le sait tous, ces attentats marquent un tournant. C'est une phase nouvelle dans la vie du renseignement. C'est une phase nouvelle aussi pour les services de sécurité et les services de renseignement. Docteur d'État en droit, Mohamed Ben Hammou préside et dirige le Centre marocain des études stratégiques ainsi que la Fédération africaine des études stratégiques. Expert international sur les questions stratégiques et de sécurité, Ben Hammou enseigne aussi bien en Corée qu'à Londres, Washington, Rome ou Douala et organise la conférence annuelle sur la sécurité en Afrique, Marrakech Security Forum, qui réunit une pléiade de participants en vue de débattre et d'échanger sur les questions sécuritaires.